côté et de rentrer de l'autre, c'est un effet de surprise toujours très efficace. Mais forcément, c'est de la marche à pied. Comme je vous le disais, j'allais revenir pour vous parler de Gaby Montbreuse, mais cette fois-ci, d'une manière particulièrement sérieuse, je vous prie donc d'écouter avec attention le communiqué qu'on me demande de vous transmettre. Ah, paillettes, plumes, strass, décor dément, tout ça bien sûr, on l'a rêvé ensemble ce soir, suggéré, offert par la magie talentueuse de tous ces artistes. Elle est contente, hein? Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la voix et dans les gambettes. Le fil à suivre ce soir, à travers les décennies, c'est le talent, l'invention, le merveilleux, en remontant le temps avec ses interprètes magnifiques, des auteurs d'aujourd'hui, à Chicago ou Kurzweil, contemporains de la grande Gaby Montbreuse. C'est son ombre, oui, sa présence gigantesque que je souhaite invoquer dans ces murs pour donner un coup de pouce à l'avenir. En créant solennellement ce soir la Fondation Gaby Montbreuse. En créant cette fondation, nous vous offrons à tous, fans de théâtre musical, producteurs, banquiers, si il en faut, de contribuer de façon personnelle et sans limite à aider de nouveaux talents du théâtre musical. Une fondation qui, grâce à votre générosité, soutiendra chaque année un nouveau projet, un auteur, un compositeur, une création originale. Formidable. Elle est super. C'est la bonne nouvelle de la soirée. Voilà, je vois déjà des carnets de chèques et des stylos Montblanc qui frémissent à l'orchestre. C'est très bien. Vous pouvez contribuer d'ores et déjà, absolument, en versant espèces, chèques, cartes Visa Gold, cartes de visite, numéro de téléphone de vos amis pleins aux as. C'est de toute façon, sachez-le, déductible de vos impôts. Et vous aurez, qui sait, votre nom sur l'affiche du prochain Molière. Et certainement l'expression de notre gratitude. Et vous aurez enfin l'intime satisfaction de nous savoir témoins de votre générosité. Nous avons vos coordonnées de toute façon. Vous ne pourrez pas nous oublier. Vive Gaby Montbreuse! Vive le théâtre musical! Ah oui, je reviens. Merci.